Salut à tous, what's up? J'espère que vous allez bien. Moi c'est Johan et vous êtes sur ma chaîne Ma vie aux États-Unis. Alors voilà, je suis enfin de retour après beaucoup de temps sans vidéo, sans présence sur les réseaux sociaux, sans messages, sans nouvelles. Je sais que vous êtes inquiétés, je sais que vous avez cru que j'avais été enlevé par les autorités américaines ou que j'avais disparu en avion, mais non mes amis, je suis là, je suis de retour. Mais oui, je vous explique tout, ne vous inquiétez pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai été absent comme ça pendant plusieurs mois? Eh bien, la raison est simple, la fin des études. La fin des études pour moi, c'était en mai dernier. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur la remise de diplôme, cliquez ici. Et donc, comme j'ai fini mes études, je vais chercher un travail. Donc, chercher un travail, j'ai postulé en France, aux États-Unis, j'ai passé des entretiens. Et au final, le job dont je rêvais, il était où? Il était à Paris. Non mais t'es fou! Rentrer en France! Je sais, c'était pas prévu. Mais le hasard fait bien les choses, Andrea a obtenu un stage à Paris. Donc, on a pris une petite valise et on est tous les deux rentrés en France. Donc voilà, donc maintenant ça fait 4 mois qu'on habite sur Paris. Donc qu'est-ce que je fais à Paris? Je travaille dans une compagnie américaine qui s'occupe d'étudiants américains qui viennent étudier un semestre donc avec leurs universités. Donc c'est vraiment super, c'est vraiment un job où je m'éclate. Donc c'est ce que je faisais aux États-Unis où je m'occupais d'étudiants étrangers qui venaient étudier aux États-Unis. Donc voilà. Donc niveau situation professionnelle, donc voilà, je suis ici sur Paris. Personnel, on habite tous les deux à Paris, donc forcément il fallait le temps qu'on s'adapte à cette nouvelle vie parisienne, au nouveau travail, etc. Donc ça a pris du temps, et forcément il fallait que je me concentre, je préférais me concentrer sur mon travail que faire des vidéos vite fait avec de mauvaises qualités. Donc voilà, je suis installé et je suis prêt pour vous. Donc forcément vous allez me demander, mais qu'est-ce que tu vas faire ta chaîne, parce que ma vie aux États-Unis ça fonctionne plus, parce que maintenant tu habites à Paris. Oui, mais non, parce que ma vie aux États-Unis, j'ai vécu presque 4 ans aux États-Unis. Et j'ai plein de choses pour vous, plein de choses, plein de conseils. J'ai vécu plein de choses que je veux partager avec vous. Donc, je continue à vous parler de ma vie aux États-Unis. Parce que je sais que vous êtes beaucoup à vouloir partir, à vouloir progresser en anglais, à apprendre beaucoup sur les États-Unis. Donc voilà. Donc j'ai plein de vidéos en stock pour vous sur les États-Unis, sur la culture, sur la nourriture, l'immigration, la langue, etc. Donc voilà. Donc j'ai plein de choses encore à partager avec vous. Et je reviens dès la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Si vous avez des idées de vidéos que vous voudriez voir, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Bah oui, je suis de retour forcément, comme je ne pouvais pas vous dire que j'étais sur Paris. Donc j'avais coupé Snapchat pendant ce moment-là. Mais je suis de retour. N'hésitez pas à me suivre. Et voilà, donc en tout cas, moi ça me fait super plaisir de vous voir, enfin, que vous puissiez me revoir. On va pouvoir redémarrer avec de nouvelles vidéos. En tout cas, merci de votre soutien et de votre fidélité. Donc suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Snapchat, Instagram, la page Facebook de ma chaîne Ma vie aux États-Unis. Et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne Ma vie aux États-Unis.